Yo, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Fortnite, mais juste avant de commencer, n'hésitez surtout pas à t'abonner à ma chaîne YouTube avec la petite cloche de notification et le petit pouce bleu. Je vous invite à tous entrer le code créateur FinTechSB dans la boutique Fortnite en majuscule ou en minuscule, c'est la même chose et bien sûr bonne vidéo. Mais comme tu peux le voir, j'offre des cadeaux sur Fortnite. Si toi tu veux tenter ta chance pour obtenir un petit cadeau dans la boutique Fortnite, que ce soit un skin, un planeur ou une emote, pour cela c'est vraiment super simple. Première chose, tu t'abonnes à ma chaîne YouTube avec la cloche de notification. Une fois que tu as fait ça, tu as juste à poser un petit pouce bleu et bien sûr tu dois mettre le code créateur FinTechSB dans la boutique Fortnite, #AD. Une fois que tu as fait tout ça, tu dois juste mettre ton pseudo Epic Games PS4 dans l'espace commentaire. Et bien sûr, une fois que tu l'auras commenté, je viendrai t'ajouter tous les vendredis pour voir si tu as gagné ou pas un petit cadeau dans la boutique Fortnite. C'était FinTech. Je te souhaite une bonne chance. Yo tout le monde, c'est FinTech, j'espère que vous allez bien. Bien écoutez, pour un peu, vraiment super bien. Comme vous avez vu au titre miniature de la vidéo, aujourd'hui on se retrouve sur Fortnite Battle Royale. Comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube avec la petite cloche de notification et pensez vraiment à mettre tous le code créateur FinTechSB dans la boutique Fortnite, #AD en majuscule, en minuscule, c'est la même chose. Cela me fait vraiment super plaisir. Comme vous avez vu au titre miniature de la vidéo, aujourd'hui on va tout simplement parler du pack Naruto qui devra faire son arrivée dans les prochains jours sur Fortnite Battle Royale. Alors, du coup, dans cette vidéo, je vais vous montrer un peu tous les leaks qu'il y a pu avoir sur le pack Naruto et également comment avoir le pack Naruto en avance. J'ai vu une vidéo sur TikTok pour avoir le pack Naruto en avance en changeant la date de son PC et obtenir le pack en avance avant tout le monde. Première image que j'ai à vous montrer, c'est cette image juste un Naruto qu'on peut le voir. Il est en train de manger de la pizza et derrière il y a le restaurant de Tomato, l'ancien restaurant qui était sur la map de Fortnite pour les gens qui connaissent. Où ça se trouve à côté des deux farms. Et là on voit Naruto qui est en train de manger deux parts de pizza. Du coup, tout simplement, cette image a été ajoutée dans les fichiers de Fortnite. Je pense que ce sera un écran de chargement qui va venir avec le pack Naruto. Ce sera vraiment super stylé. On se retrouve avec la deuxième image qu'on peut voir. Il y a vraiment pas mal d'éléments à parler. Alors du coup, on a simplement les 4 skins. On a un skin de Sasuke, un skin de Naruto, un skin de Sakura et un skin de Kakashi. Et juste ici, c'est écrit en japonais. Comme vous pouvez voir juste en bas, on a plusieurs éléments. On a deux shurikens, je pense que ce sera utilisé comme une pioche. On a des shurikens arrière, on a le petit chiot et on a le dernier élément, je sais pas trop ce que c'est. Du coup, là, ça c'est la deuxième image, dites-moi vos avis. Je pense moi qu'on aura les 4 skins qui vont être ajoutés sur Fortnite, mais le skin le plus attendu, c'est le skin de Naruto et de Sasuke. Du coup, là, dites-moi dans les commentaires, vous aimeriez jouer avec quel skin en premier. Soit le skin de Naruto, soit le skin de Sasuke, ou sinon le skin de Kakashi, ou sinon le skin de Sakura, voilà. Dites-moi ça dans les commentaires. Dites-moi vos avis sur le skin, si le quel skin vous attendez le plus, comme je viens de le dire. Et maintenant, on va tout simplement passer au glitch pour obtenir les skins, soi-disant le pack de Naruto en avance avant tout le monde, en changeant la date de son ordinateur et en allant dans la boutique et en espérant voir le pack de Naruto. Du coup, maintenant, on se retrouve sur Fortnite. Comme d'habitude, je vais vous montrer que j'ai posé le pack Naruto dans la boutique. Voilà, du coup, je vous fais une petite présentation de tous les packs qu'il y a dans la boutique actuellement. Comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à tous entrer le code créateur FinTechSB dans la boutique Fortnite. Du coup, ça commence vraiment super simple. Vous allez partir dans vos paramètres, que ce soit sur PlayStation, sur Xbox, et là, vous allez partir dans Tater. Une fois dans Tater, du coup, moi, c'est sur Windows. Du coup, j'ai juste à cliquer ici dans Reloader automatiquement. Là, je clique ici sur Modifier. Et du coup, là, ici, juste à changer de mois. Du coup, là, je mets le 30. Et là, je vais en. On va dire. En décembre, je dois modifier. Et du coup là je vais dans la boutique d'objets. J'espère avoir le pack Naruto. Du coup il y a des trucs qui changent dans la boutique. Et non, il y a un pack qui a disparu. What the fuck. Et du coup voilà. Malheureusement il n'y a pas de pack Naruto. L'astuce que j'ai vu sur TikTok pour soi-disant obtenir le pack Naruto en avance avant tout le monde, c'est faux. Du coup là, ne faites vraiment pas confiance à TikTok les gars. Du coup là, c'était FinTech, en espérant au moins que cette vidéo sur Fortnite Battle Royale vous aura plu. Je vous invite à tous vous abonner à la chaîne YouTube, le petit pouce bleu si la vidéo vous plaît, et de vous abonner avec la cloche de notification. Allez, ciao tout le monde.